Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Marrakech durant la COP22 et on reçoit aujourd'hui, vous le savez, toute une série de personnalités, tous ceux qui font qu'aujourd'hui la COP22 est une urgence. Et sur ce plateau, ici même à Marrakech, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Degmo Ali. Elle est chercheure géopolitique, mais également elle est directrice de l'initiative panafricaine du développement. Bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir aujourd'hui dans cette belle ville qu'est Marrakech, pour cet immense événement hautement symbolique qu'est la COP22. Alors justement, on va en parler. Quelles sont vos premières impressions ici? Parce que je pense que vous avez pas mal rencontré évidemment de leaders politiques, bien associatifs, sûr, d'acteurs de la société civile. Hein, pour la, tous qui convergent tous dans une même direction, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce qui vous a frappé ici à Marrakech? Qu'est-ce que vous avez remarqué, Degmo Ali? Écoutez, je dois tout d'abord féliciter nos frères marocains qui sont la fierté non seulement d'un continent, mais également des pays du Sud. L'organisation de cette COP est inégalée. J'ai été à la COP21, je peux vous dire que c'est hors pair, qu'il s'agisse de l'hospitalité et de la société civile. On sent un engagement citoyen et civil extraordinaire, de la part des dirigeants également. Hier, j'étais au concert donné donc par les grands artistes à l'invitation du ministre des Affaires étrangères, qui vraiment brille par son humanité, également son humilité et son accueil vraiment formidable. J'ai pu discuter avec lui, discuter avec également la ministre de l'Environnement, et ça vous montre la qualité et vraiment l'immense hospitalité du peuple marocain. Et je crois que cette COP, son organisation, qui a ébloui le monde, tout simplement, indique que dorénavant le Maroc joue dans la cour des grands et des plus grands. C'est-à-dire, dorénavant, cette organisation a permis d'illustrer le fait que le Maroc est propulsé en tant que leader, parmi les leaders internationaux. Dites-moi, vous êtes de Djibouti. Oui. Alors, évidemment, vous avez un regard africain, j'imagine, aussi. Bien sûr. Quel regard justement africain vous portez sur cette COP22 avec justement cette dynamique africaine? Écoutez, voilà, comme je vous le dis, le Maroc représente l'Afrique également. Et son ancrage africain est dorénavant quelque chose qui parle de lui-même et qui est symbolisé justement par la réussite éclatante de la COP22. Il faut également savoir que le Maroc dorénavant va rejoindre l'Union africaine. Et c'est une fierté pour un continent, pour les pays du Sud. Et il faut voir également dorénavant qu'au niveau même de la géopolitique mondiale, on a vu que les grandes puissances occidentales n'ont plus le monopole dorénavant, qu'il s'agisse des valeurs humaines tout simplement. Et donc le Maroc, à travers également l'Afrique, a dorénavant un rôle à jouer, ne serait-ce que pour défendre ses intérêts maxima. Est-ce que ça veut dire par exemple, oui, Degmo Ali, que cela peut se traduire par un effet africain qui peut parfois s'illustrer et porter par la société civile? Bien sûr. La et par son engagement. Tout à fait. Là, il faut quand même bien indiquer que la réussite de cette COP, c'est la réussite avant tout de la société civile, qu'il s'agisse de l'élite économique, politique, culturelle, qu'il s'agisse des citoyens, tout simplement, qui vous ouvrent leurs portes, qui vous ouvrent leur cœur et qui vous ouvrent également la clé du monde, tout simplement. Sachant que le monde, aujourd'hui, se retrouve au Maroc, accueilli de la manière la plus majestueuse. Et donc, je tiens vraiment, encore une fois, à féliciter le Maroc, le peuple marocain, son roi, ses ministres, qui font honneur à tout un continent. Alors parlons de votre regard géopolitique, oui, parce que vous, avec votre casquette évidemment de chercheur, le changement climatique, lui, s'accompagne d'effets sans précédent. Oui, je pense qu'on l'a absolument tous compris durant cette COP22. Oui. Et en même temps, on est en train d'assister, par exemple, à une baisse de rendement agricole, je parle du territoire africain, oui, des saisons de végétation qui sont très sèches, très brefs aussi, hein, oui, des modifications du régime de précipitation. Est-ce que ça, selon vous, est-ce qu'on doit tirer la sonnette d'alarme? Donc, je disais, oui, effectivement, le fait que cette COP ait lieu en terre africaine, dans un pays du Sud, est hautement symbolique. Il ne s'agit pas simplement de faire un effort d'accueil, mais il s'agit justement de permettre aux acteurs donc, du développement de porter leur voix haut.
et de défendre leurs intérêts également. Et cela passe. Ils en ont les moyens de porter leur voix. Justement, c'est pour ça qu'il est important que la société civile se base et s'appuie sur le secteur privé. Et notamment les entreprises. Les multinationales ne sont pas. Il ne faut pas diaboliser le rôle du secteur privé et des multinationales. Certaines, et c'est celle avec laquelle travaille donc le fonds l'initiative panafricaine pour le développement, vise justement à permettre aux populations les plus fragiles, les plus touchées par la sécheresse et les dérèglements climatiques, de bénéficier également de l'industrialisation, notamment des projets que signent les pays avec les multinationales dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'économie verte. Donc ça a un impact sur l'agriculture, par exemple ? Bien sûr. Direct ? Bien sûr. Et donc ce que je veux indiquer, c'est qu'il est important que de faire confiance aux multinationales, pas n'importe lesquelles, pas toutes, celles qui ont à cœur ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui ont à cœur, si vous voulez, sur leur, lorsqu'ils font des accords avec les États, de remettre une partie de leurs bénéfices et de leurs marges aux fonds sociaux des pays avec lesquels ils font affaire, pour justement bénéficier aux populations les plus fragiles, notamment les populations agropastorales, qui vivent encore de manière traditionnelle et qui sont touchées les plus par le phénomène donc, de sécheresse, parfois de famine, de règlement socioculturel que représente l'exode rural. Donc il est important justement de travailler main dans la main avec ces grands groupes. Alors, aujourd'hui justement, la main dans la main, Degmo Ali, la main dans la main, je vais vous soumettre un cas de figure. Oui. L'Afrique, elle fait face au réchauffement climatique, on le sait. Oui. L'Afrique, c'est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, pas assez pour enrayer les conséquences catastrophiques du réchauffement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez, d'ailleurs, qu'il y a une véritable prise de conscience pour lutter contre le réchauffement climatique sur le continent africain, ici à Marrakech ? Écoutez, c'est, je crois, la donne la plus parlante, c'est bien le fait que l'urgence, le mot urgence, et ce qui revient, c'est le leitmotiv qui marque les esprits. Et je crois que ça ne peut être porté que par la voix populaire, la vox populi. On le voit, et ça, c'est également la jeunesse. C'est eux l'avenir, et le changement vient surtout d'eux, de la société civile. Donc ce leitmotiv de changement, de nécessité de se prendre en main, tout simplement, de ne plus laisser les grandes puissances du Nord dicter leur desiderata qui vont de pair avec leurs intérêts. Donc cette idée de lobbying, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire porter un courant engagé, mais une vision humaniste. Mais encore une fois, ne pas diaboliser l'autre, c'est-à-dire les pays occidentaux, qu'il s'agisse donc des grandes puissances, qu'il s'agisse des pays asiatiques aussi, les grandes puissances asiatiques. Il faut travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il est important de mutualiser les efforts et les volontés pour ce grand défi, le défi de l'humanité tout simplement. Alors mutualiser les efforts, vous avez lâché le mot, mais en même temps on parle aussi d'efforts financiers. Et cet effort financier, Degmo Ali, justement madame la chercheure, il faut plus de fonds pour permettre à l'Afrique justement de s'adapter à c'est ce changement ça que climatique. La recherche, voilà, je vous suis tout à fait, et il est important que la recherche de financement se fasse pas de manière hétéroclite, mais qu'il y ait un vrai effort, une coordination. Il y a aujourd'hui des grands fonds internationaux, des philanthropes, tels que Prince Randy, qui est donc un très grand industriel béninois, également libanais, par sa mère. Et c'est leader de la nouvelle génération, qui ont conscience que le fait d'avoir une situation privilégiée les oblige à plus de responsabilités morales, sociales et citoyennes. Donc le fait que, et comme l'a dit hier lors du concert offert par le ministre des Affaires étrangères marocain et président de la COP, et comme l'a dit Monsieur Mézoir, son Excellence qui vraiment brille par sa grande humanité et son haut professionnalisme. Donc, Econ l'a dit hier en plein concert, et ça a galvanisé la foule, il a expliqué que la richesse n'est rien si on ne la partage pas. Et que lui-même, en tant que donc, grand artiste et icône universelle, il a d'ailleurs joué beaucoup pour l'énergie, justement. Vous parlez d'Econ, l'artiste. Econ, oui, tout à fait, qui hier a fait une belle déclaration politique, je dirais, puisque quand vous parlez d'engagement citoyen,
il y a également une partie de politique dedans, vu qu'il s'agit également de porter sa voix dans le concert, justement, donc sociétal. Donc Ekon a dit une chose qui a marqué les esprits, c'est que être riche, c'est partager. Être privilégié, ça demande et appelle à plus de responsabilités sociales. Donc c'est ça qui fait la valeur intrinsèque d'un individu, c'est sa capacité à donner ce qu'il a reçu et à le partager, notamment auprès des plus défavorisés. Vous pensez qu'Ekon, une grande star, hein, on ne le présente même plus, il peut avoir un écho auprès de cette jeunesse africaine? Il joue justement un très grand rôle et c'est tout à fait louable et tout à son honneur. Il est l'avenir, de la même manière que ce philanthrope dont je vous parlais. Ce sont des gens qui ont réussi, mais ce qui renforce leur réussite, c'est cette capacité à partager, à mobiliser. Ekon américain qui est d'origine sénégalaise. Bien sûr, tout à fait. Et donc Youssou N'Dour aussi, hein, Angélique Kidjo. Ce sont des voix d'artistes qui portent un message fort de solidarité, d'entraide face aux défis mondiaux que représente notamment le problème du réchauffement climatique. Il y a aussi Tiken Jafoli. Oui, bien sûr, beaucoup de grands artistes. Et c'est tout à fait louable, ce rôle symbolique que revêt donc la société civile. Donc le rôle des artistes est aussi un rôle important. Bien sûr, et celui des élites économiques. On l'a vu, bon, quand je dis qu'effectivement il s'agit de travailler ensemble et de coordonner les efforts mondialement, Bill Gates l'a démontré aussi. C'est-à-dire qu'un philanthrope, qu'un homme d'affaires, ne doit sa réussite justement qu'au fait de partager. Voilà. Et on l'a vu, c'est ça qui reste dans l'héritage de quelqu'un, qu'il s'agisse de son héritage politique ou économique ou social. C'est ce qu'on retiendra d'Ekon et de ses grandes figures internationales. C'est ce qu'elles ont fait pour porter un message d'humanité et de solidarité pour le climat, pour d'autres causes aussi très importantes, telles que quand il s'agit notamment des épidémies mondiales qui touchent notamment les populations défavorisées du Sud. Donc il y a de grands enjeux, grands défis mondiaux qui sont portés également par ces stars internationales, mais également par la base, c'est-à-dire la société civile des pays, des ONG. Alors, ce sera ma dernière question. Je vous en prie. Degmo Ali, dites-moi, comment vous voyez l'avenir de ce continent africain quand on parle de COP22 et de la lutte contre le réchauffement climatique? Très bien. Donc, écoutez, je crois que je me permettrai d'être très optimiste. Pour la simple raison que cette réalité à laquelle on assiste, c'est-à-dire l'immense réussite du Maroc qui a démontré au monde sa capacité à abriter justement une conférence planétaire et parle à tous, et c'est un immense espoir pour les pays africains parce que dorénavant nous avons notre place dans le concert des nations au plus haut niveau. La COP22 a dépassé toutes les organisations des COP précédentes. C'est du jamais vu. De l'aéroport au train, de l'accueil du simple citoyen à l'accueil des plus hautes autorités. C'est quelque chose d'extraordinaire auquel on assiste. Et nous sommes témoins de ce bond en avant de l'Afrique qui ne doit plus être stigmatisé. Nous avons les plus grandes ressources aujourd'hui. Les économies, comme vous le savez, pétrolières aujourd'hui sont en train d'opter pour une restructuration de leur économie, notamment vers les services, parce qu'il y a bien sûr les énergies fossiles sont en train notamment de s'épuiser. Donc les énergies renouvelables sont l'avenir. Il y a une donne, si vous voulez, une nouvelle donne en ce sens, en Afrique également, à travers des tycoons, des nouveaux entrepreneurs africains qui ont une vision noble et qui sont pour le partage des richesses, le partage des savoirs et la mutualisation des compétences au service du peuple. Eh bien, je vous le rappelle, merci infiniment. Merci à vous. Degmo Ali, vous êtes chercheur géopolitique, mais également vous êtes la directrice de l'initiative panafricaine du développement. Merci infiniment d'être venue ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Pour parler de COP22 et de ses enjeux africains. Merci infiniment. On se retrouve bientôt ici même pour cette édition spéciale COP22 à Marrakech. D'ici là, portez-vous bien.